Non, ça me branchait pas non plus, mais tu vois, j'ai revendu ma moto, je vais les racheter. D'accord. Un petit machin chinois, à moins de 2000 balles. Pas très fiable. Moins de 2000 balles. Le 14. Oui, le 14. J'étais venu une fois, ils étaient en train de le refaire. Ouais, j'avais fait tes passer. Le poids, enfin le rail sans le poids du véhicule, non, parce qu'il y a un contact. Vous voulez le prendre en photo? C'est qui fait chaud, hein? Oui, ça fait un mini-con, quoi. Mais s'il y a un point de débit, le truc s'arrête. Là, tu le sens. Là, tu le sens quand même. Parce que pour en cas d'urgence, ils avaient des parachutes, je pense que c'était à haute vitesse. Ils étaient à moyenne vitesse, ils coupaient la sustentation. C'est-à-dire que le rail. Je suis passé la semaine dernière sur le bordel. Il se posait sur des patins. Et en dessous du véhicule. Pas sur le coussin d'air lui-même, sinon. C'est du caoutchouc, ça arrache, donc il y avait des patins exprès. Oui, mais j'ai vu en dessous du véhicule, quand tu coupes le moteur, pouf, ça se pose sur les patins et pas sur le coussin d'air. Donc en cas de défaillance, il coupait la sustentation, donc le coussin d'air. Donc quand il passait, il coupait, POUM! Il y a marqué Bordeaux, ça frotte un peu. En cas d'urgence. Oui, c'était l'urgence. Le régime normal, c'était du bois. Alors le bois, bah, c'est parce que c'est un matériau qui est facile à avoir, qui s'use pas trop finalement, par rapport à d'autres matériaux. Je pense que c'est des autres arguments. Et ils en ont fait des études aussi dessus. Oui. Entre le bouleau, le chêne, le hêtre, le pin, le... Et c'est quoi comme bois là? T'as le numéro de Niel-Hermine. Allô? C'est pas du hêtre? C'était ça devait être du hêtre, ouais. Je sais plus. Avec peut-être un revêtement, donc ils mettaient du revêtement et ils avaient un exercice à faire, un certain endroit, il fallait qu'ils aient une certaine vitesse et qu'ils mettent les pieds sur le frein le plus fort possible. Donc ils partaient et à un certain moment, ils devaient être à une certaine vitesse, ils freinaient à mort. Et tu avais des courbes de décélération qui étaient inscrites sur des bandes derrière le véhicule. Donc Daniel Jeannot, elle décryptait les coefficients d'accélération, d'accélération de freinage, et tu avais quelqu'un qui prenait les plaquettes et qui mesurait l'épaisseur de la plaquette pour voir l'usure. Donc après, les mécanos prenaient les plaquettes, bon alors ça c'est de la merde, on en prenait un autre et on mettait un autre type de bois. Voilà. Et hop, et puis on recommence. On fait demi-tour à l'autre bout, on repart à la même vitesse, on refreine, et puis ils ont fait ça des centaines de fois pour avoir le bois qui s'usait le moins vite et qui chauffait le moins. Le meilleur compromis aussi avec le tarif du bois. Ah, c'est pour le virage, ça. L'efficacité du tarif. Donc ça s'use assez vite, mais ça coûte pas très cher et ça freine bien. Le chêne était plus dur, s'usait moins, mais il gérait ça sur chaque virage. Tu vois, il y a plein d'études aussi là-dessus, même pour le freinage. Toutes les parties de l'aérotrain ont bénéficié d'une étude spécifique pendant des mois, voire des années. Mais pourquoi c'était le caoutchouc alors? C'est souple, ça fait une jupe. C'est une jupe, comme les aéroglisseurs, ce qui prend un matériel trop rigide. Là, ça épouse mal les aspérités du rail. Les défauts qu'il peut y avoir. C'est des jupes en caoutchouc avec une structure métallique pour quand même les tenir. Et puis de toute façon, c'est pas une grosse hauteur. On est loin des aéroglisseurs qui traversent la Manche. Eux, il y a des jupes de plus d'un mètre. Là, c'était quelques centimètres. C'était pas grand chose. Hein.
c'est pas la vie, dans le fond. C'est gentil. C'est super. Après, faire comme. J'avais pris une journée, et puis j'étais venu avec la 4-5, j'avais fait, bah, les... je m'étais arrêté à différents endroits. Ah, j'avais pris avec la 2-5, mais elle est toute la longueur, quoi, ouais. Les premiers temps, moi, je venais avec la maquette. Je m'étais pour accéder au club. Et encore, avant, on pouvait s'arrêter là, au niveau de la barrière, on pouvait marcher un peu. Ce qu'on reprochait, oui, oui. Alors que le TGV était pas mieux. Et moi, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu dire qu'à l'époque, ben, quand le registre d'Arbestin est arrivé, il a dit, bon, vous me faites, je choisis, je prends le TGV, mais vous me le faites tout électrique. Et lui, la belle famille, c'est la... C'est chez Schneider, voilà, Alstom. Ouais, là, c'était ça. Ah bah, ça aide, hein. Enfin, ça aide. Ouais, ça dépend de quel côté on se place, mais effectivement, ouais. Il n'y aura pas que les bandes rouges, mais on met son pomme. Là, j'ai trouvé où c'était, ça. Ah ouais. Ouais, c'est pas de chance. Bien, ça parle forcément à quelqu'un. Les anciens, on parle d'aérotrain. Ah ben moi, quand il est passé dans mon atelier, qui m'a présenté l'aérotrain, c'était loin, mais ça m'est revenu quelque chose, quoi, des souvenirs d'enfance. Hein. Voilà, quoi, ça m'était pas complètement. Moi, je n'ai pas connu l'aérotrain, ni à la télé, ni nulle part, ni même en vrai. Mais je discute pas mal avec les anciens, avec ce qui m'intéresse, voire même avec des gens qui travaillaient dessus. Ah oui, ah oui. Ouais. Quand on a fait la conférence à Chevilly, comme pas un mentor, mais avec elle avait quel âge, elle était toute petite, parce que Daniel Arpouz l'a appelée la gamine. Ah oui, c'est vraiment une petite boule. Ah oui, donc elle a vu notre... Là, c'est émouvant, donc ouais, c'est tout aussi. C'est la porte qui m'avait allumé, parce que dans le document qu'on avait produit en PDF, j'avais le marqueur. Là, il y en a partout sur le tablier, quand on marche au sol, on voit des petites croix partout. Ah ouais pour, Ah oui, parce qu'il a été coulé dans le... Il a été coulé dans l'autre sens. Dans l'autre sens. La nervure centrale vers voilà. Le bas. Et après, il était retourné dans l'usine. Et ça, en fait, ça supporte rien, cette partie-là. Non. Ça rattache les deux parties aux extrêmes. C'est ça qui supporte le poids. C'est ça qui supporte. Ouais. Oui, ça, à la limite, il y a de la pression. Il a dit. Et ça sera rien d'autre. Ah ouais. Donc là, c'est une fondation pas très large. Il est sur deux pieux. Moins onéreux. D'accord. Ouais. Et il descend des profonds, non ? Bah, ça dépend. Il y a trois types. Ah oui, ça dépend du type. Sur les 18 km, il y a trois types de terrains différents. J'avais eu une étude géotechnique. Pour avoir tous les détails, il y a plein de détails croustillants, et donc il y a des endroits, les pieux ils descendent juste à 1 ou 2 mètres parce que le sol est suffisamment stable. Et puis il y a des endroits où c'est très meuble et du coup bah, tu as des pieux de 8 mètres. Ah ouais, 8 mètres. Ouais, ça descend. En fait, il y a autant de fondations que de. Ouais, pour certains, pour les. Que de poteaux. Pour certains, ouais. Ah ouais. Avec un pilier dans le terrain. Non, pas le pilier, la cuisine. Donc d'abord, ils ont percé les trous, ils ont coulé les trous, ils ont posé les poteaux. Je vais aller voir.
Même véhicule, oui. Ah, je pensais qu'il y avait eu deux entités. Non, c'est le même. Ils l'ont descendu, ils ont rajouté une paire de coussins d'air à l'arrière, ils ont rallongé le réservoir et il y a des supports pour le lecteur. Et la carotte là au-dessus du. Ouais. Voilà. Du coup, tu vois un peu la longueur de l'engin. Et donc, il y avait un palan avec l'équilibreur là qu'on voit sur certaines photos. Ah, ouais, d'accord. Ouais, parce qu'il fallait monter. Allez, un peu. Monter ça là-haut et puis après, remettre les plaques comme pareil. Donc, ça devait prendre un temps certain quand même. Ouais, il y en avait pour plus de la journée à faire tout ça. Bon voilà. Ah ouais, okay. Ouais, d'accord. Il venait par le petit chemin là, et puis il passait par ici. Il y a des photos des potes. Des droits de la région, ces photos. Et comment l'entrepôt, il était quasiment administratif, mm-hmm. Et d'accueil. Et comment il faisait alors, parce que c'est pas hyper large, il fallait pouvoir le talent permettre de monter et après de se déplacer latéralement. Mais oui, le décalier, oui. Ouais. Ouais, parce que là-haut, il y avait des palans, des rails pour un roulant. Ouais, un pont roulant. Et il le levait et il le mettait sur le côté là-haut. Ouais, d'accord. Ah, parce que c'est pas tout. Ça y est, tu peux refermer. Voilà. Et la pompe à kérosène, quand ils ont fait tout l'étanchéité, la société qui s'appelait Etendex, contacter la mairie en disant qu'ils allaient virer tout ce qu'il y avait là-haut, donc les bouts de ferraille qui traînent, les morceaux de poteaux qui restaient, parce que quand ils ont tout débarrassé, ils ont coupé la valise, oui. Ils ont tout bainé, donc il restait des morceaux de vis, des morceaux de goujons, tout ça, ils ont tout aplani, et il restait la scène pompe à kérosène. Oui, je la vois visuellement. Oui. Voilà, la rouge, ouais. Donc ils nous ont contacté, savoir si on la voulait. On est venu tout de suite là-bas avec un camion, on s'est mis en arrière, on a baissé le haillon, et hop, on l'a chargé et puis elle est à Satori. Ah ouais, donc elle n'est plus. Elle n'est non, plus, non. Ouais. Ils ont viré le socle. Puis ils nous l'ont descendu avec un engin. C'est Anaïs qui a été le chercher. D'accord. Et la cuve à fuel, elle était quelque part. Il y avait une cuve à fuel là-bas. Parce que 2000 litres. Et il y en avait une en souterrain quelque part, mais je ne peux pas te dire où. Il y en a une enterrée, ça c'est sûr. Et là-bas, il y avait une cuve à fuel. Est-ce que c'était pour la chaudière, le chauffage, tout ça? Ah pas. Oui. Là, il y avait une cuve là-bas. On voit là-bas l'espèce de pompe là-haut. Oui, tout à fait. Ouais. Ah oui, donc c'est le même qui a été modifié. Ah, j'étais convaincu qu'il y avait deux. Ouais. Et là, c'était bien fait de venir. Hein. Eh ben oui. T'as bien fait de venir. Ouais. Un jour, si tu me donneras ton adresse et puis je te montrerai les photos de quand il a été modifié. Voilà, on va partir d'ici sur un porte-char avec l'arrière démonté, ils ont enlevé la vis carrée. Oui, bah sur une photo. Là, il y en a un qui a fait un tag, c'est le portrait de Jean Bertin. Ouais.
ils sont pas sensibilisés à la cause. Ou alors tu le fais toi-même, en alu, et puis un jour tu t'arrêtes sur l'autoroute, et tu creuses, tu mets du prompt. Oui, et hop, beaucoup. Tu connais le prompt? Non. C'est du ciment, tu mets de l'eau, tu as quelques secondes. Et puis c'est pris. Et c'est pris. C'est quelques secondes. C'est du ciment pro. Ok. Rapide. Rapide. Enfin, très, très rapide. Ouais. Ouais. Et là, tu poserais le panneau ouais, mais là, sur l'autoroute. Ouais, mais là, moi, il ne faut pas s'amuser à faire ça sur l'autoroute. Hein, non, c'est là. Bah, ça dure 5 minutes. Ouais. Puis s'il y a du vent, des machins. Ouais. Ah, non, mais tu viens là sur l'autoroute, comme j'ai fait tout à l'heure. Je me suis garé là, tout à l'heure. C'est pas tué, ah, si. Ouais, mais apparemment, même en zoomant à fond, ça n'a pas été. Allez, y a rien à voir, c'est bon, finalement, c'est pas de la peine. C'est bizarre, là. Tu veux t'aimer les mains? Arrête! Bon, à la prochaine fois, on y reprendra pas. Bah, c'est carré, quoi. Comme les gilets. Allez, là, c'est plus agréable parce que je suis. Ah, oui, tu m'étonnes. Ça, avec ouais. L'axe. Du bras articulé, quoi, ça doit être le système d'ancrage. Autant il ouais. Y a l'axe là, et puis le... Il y a les verrous. Alors les verrous, je ne sais pas s'ils se faisaient comme ça en voyant béton ou le sol. Ah oui, ouais, je dirais sur le côté. Ouais. Ouais, parce que là, effectivement, il y a quelque chose là. Je crois qu'il y a un truc au sol. Oui, parce qu'on avait vu ça à Chemin. Ben, moi, je m'étais amusé à faire bouger la partie métallique à l'époque avec Jérôme Tillier. Théo aimerait qu'on fasse une petite balade. Hein. Sous les rails, hein, si c'est possible pour vous. Il faut prendre un peu le soleil. Ah oui, parce qu'il est là. Et ouais, il est dans le champ juste parce ici. Que lui, il nous attend. Il nous attend par là. Ouais, ouais, ouais. Allez. Le poids, ouais. Ouais, ils l'ont mis en sustentation. Ouais. Après, c'est le vent en se prenant ouais, dans ouais. Les hélices qui étaient, elles, fermées. Ouais, ouais. Ils ont remonté la voile. Ouais, ouais. Bon, ils sont pas rentrés à 200. Hein. Non, ils sont rentrés quelques heures. Ouais, c'est rentrer. Avec le HV, tu fais pas ça. Non. Là, tu sais pas quoi foutre là. Ben, j'ai déjà vu. Ah, bah oui, et puis ils ont dû siphonner le réservoir avec la turbine de sustentation. Et puis si par malheur ça commence par une légère remontée. Non, mais je suis sûr que ce jour-là, Jean-Bertin a sorti la tête par la fenêtre, il a écarté les oreilles pour faire un petit peu de prise au rang. Pour aider un peu. Parce que... Cette anecdote sera enregistrée, elle est totalement fausse, hein, je tiens à le préciser.
On avait survolé le chantier de l'autoroute et qu'après on avait tourné autour des éoliennes, alors c'était rigoureusement interdit. Ah ouais, bah toi tu te fais pas voler. Ouais, bah oui, le pilote c'était le chef de la sécurité des aéroports de Paris, donc j'étais plutôt tranquille. Ouais. Lui il était peut-être moins tranquille pour son job. Ouais. Ouais. C'était kiffant. Bien, l'air frais, carrément. Un joli plan sur le dépoussiérage des ponts. Pour sacrifice, on fait comment? Bah, c'est lui, hein. Ah, c'est bah. Lui qui est pas venu, c'est vrai. Lui qui est sacrifié. Mais, allez, le mot d'or. Pas copié. C'est quoi ce truc-là? Comment t'as dit ça? Un effaroucheur. Ah bon? J'en ai un juste derrière chez moi aussi. Oui, ça peut être un régulier, c'est pour faire fouler sur les oiseaux. Ça m'empêche aussi de dormir les gens. Ouais. Alors, moi, ils ont pas le droit de le mettre à nuit. Ah bah, lui, il va le faire d'ici. Faites des H9. Bah, moi, ça m'a jamais dérangé.